Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous allez pas mal rigoler aujourd'hui puisque c'est une vidéo Androxus jouée par Iker. Donc c'est pas dans la tête d'un pro. Il y a eu celui de Z1. Il y a quand même des gens qui arrivent à me sortir que Z1 il est pas ouf sur son Androxus en commentaire. Donc moi ça me fait pas mal rigoler parce que là ça va être Iker sur Androxus. Donc bien évidemment bien meilleur que Z1. Hein. Non mais qui est meilleur Andro que Z1? Bon, il y en a quelques-uns, hein, bien évidemment. Hein. Perdo, je pense qu'il est très solide. Stolzy aussi, bref. Mais là, c'est pas mon niveau, quoi. C'est bien évident. Beaucoup plus bas. Donc on va jouer en Anxious, ou tout du moins on va essayer pour le plaisir de vos yeux. Déjà on va jouer la nouvelle légendaire qui est à la mode, hein, c'est le tir dans la tête. Il faut savoir que à niveau pro il joue plus que ça. Pourquoi? Parce que ça donne deux munitions de plus et c'est quand même sacrément pratique. Et aussi parce que bah, Sombre Pisteur s'est fait nerfer, qu'Inversion et on va dire jouable sans, hein, a toujours été jouable sans, même si moi j'aime beaucoup la légendaire d'Inversion. Ah, vous voyez, on a beaucoup de munitions, donc ça fait la différence. Voilà, on a déjà un mort dans notre équipe, vous voyez la qualité du niveau de jeu, double kill déjà de Lex. D'accord. Donc vous voyez, le plaisir directement, hein, de cette game. Ça va être bien. Dommage, j'ai pas pu le prendre. Allez, on lâche. Boum. Merci. Merci pour le heal! Ah, ça c'est cool. Qui a dit que j'étais nul sur Androxus? Qui a osé? Allez, un kill de plus, les gars! Allez. Qui a dit que j'étais nul? Qui a osé? Boum. On arrive à s'en sortir. Bon, il est mort. Allez, silence. Oh, il est notre mort. De m'en sortir. Boum! On le prend ce kill! Côté aligné 2, c'est parti. C'est vraiment bizarre d'avoir joué, vous savez, je joue Androxus une fois tous les 6 mois et de se rendre compte de la portée des dashs. Moi je m'en rends compte maintenant, tu vois, que les dashs ont été nerfés. Alors il y a évidemment les main Andro, ça fait 3 semaines qu'ils ont. Ça fait un mois qu'ils ont le temps de se réhabituer. J'en sors. Merde, j'ai appuyé sur A tout à l'heure. Donc moi je me rends compte maintenant, il y a des gens qui, il faut savoir que les joueurs pro ont quasiment pas, enfin beaucoup de joueurs ne re-augmentent pas la portée de la marche infernale. Moi je pensais que bah ça allait être le réflexe, ça va dépendre des maps,
Ça va dépendre des maps, je pense. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne réaugmentent pas la portée de la marche infernale. Et on l'envisage le cala. Oh, c'était pas mal, hein, j'ai oublié de tirer. C'était pas mal, putain. J'ai failli l'avoir. J'ai oublié de tirer. J'ai oublié de tirer. Bon, il est low là, vous l'avez tué. Oui, c'est bon. C'est bon. Allez, Strix, courage. Courage, mon gars. J'ai confiance en toi. Bon, ça, c'est chiant à tuer. Bien joué, Strix, il a pris un kill. Ah, merde. Allez, Viviane! Oh, dommage. Dommage. C'était bien. Beaucoup de dégâts directs, on va prendre un rave. J'arrive. Boum. Eh ouais. Mais on s'en sort, les gars! On s'en sort! Si je m'entraînais, je pense que si je m'entraînais, je serais meilleur! C'est sûr, c'est comme tout! Hein. Mais c'est vrai que Andro, c'est un personnage que je maîtrise pas du tout. J'ai jamais pris le temps de prendre à maîtriser. Dommage. Dommage, on a mis les deux mecs low, mais on n'a pas réussi à les tuer. Il aurait fallu que j'arrive à mettre une balle dans la tête. Pas réussi. Havre 3, je pense c'est pas mal. Guérison mortelle, on a quand même très très peu de heal, ça pourrait être intéressant. En face, ils ont quasiment pas pris de cotérisé, donc j'ai mal joué, j'aurais dû en prendre. Mais bon, les games où il y a zéro cotérisé sont quand même de plus en plus rares. Je suis un joueur de ranked, c'est quand même de plus en plus rare. Donc moi, c'est vrai que je regarde pas les objets en assaut, mais j'aurais dû, parce que... Cotérisé 3, il n'y en a pas en face. Donc guérison mortelle ici marche très très bien. Donc faut prendre. Il a dash vers l'avant, ce qui est bizarre. Il a panique dash. Ça m'arrive aussi, je ne me moque pas. Merde. Je crois qu'il y a FK en plus. Non! Non! Putain, t'as vraiment plus beaucoup de mobilité sur ce personnage. Ah, j'ai vu un Androxus low! Ah, bah, il est bon. Et c'est la victoire de Canard! Non, laissez-moi le dernier kill! Oui! Oui! On l'a eu! C'est nous qui avons eu le dernier kill, je crois. Et bah, pas si mal! Pas si mal! Alors, on jouait pas contre des joueurs très très forts, mais mon élo en normal, il est parfait pour trade Androxus, quoi. Ce qu'on a fait, c'est sûr que je peux pas le sortir en ranked. Mais c'était pour vous! Pour que vous voyez à quel point Z1 Ando, Stolzy, ils ont bien dû s'inspirer de quelqu'un pour devenir meilleur sur Androxus, ils ont gardé la chaîne, quoi. Voilà. Ils ont gardé la chaîne. Iker TV. No rank. Je sais pas qui dit. Calme-toi, mon gars. Je sais pas ce que ça veut dire. NSRANG. Nice rank. Peut-être.
Bon, eh bien, on s'en est sorti sur cette gameplay Androxus. Maintenant, je voulais vous parler d'autre chose, hein, bien évidemment. On va parler d'autre chose comme d'habitude, hein, mais mes gameplays ne sont que des prétextes pour qu'on discute ensemble et qu'on passe un moment. On va aller regarder un truc intéressant, je vais vous montrer ça, qui est sorti hier soir, ce qu'on appelle l'Upgrade 6. Du PTS, oui, l'upgrade 6 du PTS, donc encore un autre upgrade rajouté, ça fait beaucoup, et le voici, donc l'upgrade 6, puisqu'aujourd'hui le patch ne sortira pas, il était prévu de sortir aujourd'hui avec l'arrivée du lore, l'arrivée des cartes Unbound, etc, mais on a un petit upgrade, et sachez qu'il y en aura encore d'autres, donc le patch note, ici n'est pas hyper détaillé, j'ai pas besoin de faire une vidéo dessus parce que il va y avoir encore des modifications. Donc le patch note, la sortie du patch note Open Beta 64 sur les serveurs normaux sont repoussées à la semaine prochaine. Et nous allons ajouter du contenu pour polir, c'est rendre un peu mieux, bug fix et équilibrer les bugs, enfin retirer les bugs et ajouter de l'équilibre au niveau des cartes. Les joueurs devraient attendre des upgrades sur le PTS tout au long de la semaine pour refaire la qualité du patch. Changement sur Bomb King Royal Subject, la carte qui increase the explosion side of Sticky Bomb. Vous savez, la nouvelle légendaire de Bomb King qui était à 82 de base, bah maintenant est passée de 42,5 avec une augmentation de 2,5 par level. Donc vous multipliez 2,5 par 9 et vous obtenez le chiffre maximum. Parce que ça c'est au rang 1 et ça c'est par rang. Donc normalement vous augmentez de 9 fois 2,5, voilà. Explosion size réduit, donc vous le voyez, avant c'était 85 plus 5%. C'était énorme, il y a des vidéos qui montrent à quel point c'était débile. C'est-à-dire que Bomb King maintenant, même moi, j'arrivais à toucher quoi. Parce que la taille de la bombe était tellement grosse. Oh, maintenant, bah c'est l'équivalent de la map, hein. T'appuies, tu touches tout le monde, peu importe du spawn, pouf, tu touches les mecs de l'autre bout de la terre. C'est 42,5 plus 2,5, donc là, vous voyez le facteur, il est quand même divisé par 2, voire par 3, parce que 85 c'était au rang 1, là c'est 42 et ça atteint même plus 85 au rang maximum, donc c'est un facteur par 3. Kinessa, Oppressor Rework, que vous savez, les mines qui permettent de slow les adversaires. Le scaling a été modifié donc de 2,5 avec un multiplicateur de 2,5. Donc ça monte jusqu'à, j'allais dire 10, mais ça monte jusqu'à 25. Ça monte jusqu'à 25%, pourquoi pas. Donc quand elle est carte rang 10, ça signifie qu'avant, le slow alors c'est slow en plus. Donc ça doit faire quand même un gros slow quand tu les as au rang 10. Et Legendary Suppression Rework, c'était la légendaire basée sur les mines. Multiple Oppressor Mine can now affect the same target and Oppressor Mine deal 85 plus 5% de mort de dégâts en plus. Donc en gros c'est pour que les oppresseurs puissent faire plus mal. Voilà, et c'est surtout le montant qui a changé. Previous Essence Value have been converted to gold. Donc normal. Hein. Donc en gros votre ancienne valeur d'essence sera transférée en gold. Les cartes les cartes que vous aviez récupérées sur le PTS avant ont été remises au rang 4 pour que vous puissiez faire des tests. Nous sommes au courant que certaines cartes sont quand même au rang plus élevé. Il y a un bug sans doute. Voilà. Donc ça c'est les changements sur le PTS, mais c'est des changements qui sont sans doute mis sur les serveurs normaux également. New call to action icon for champion chess, Bouncy animation. Donc il va y avoir une animation pour les champions de chess, pourquoi pas. Ça c'est des notes, donc il faut bien lire parce que c'est important.
While not being tested in the PTS version, the current of test on segment Q. Donc vous allez me dire, c'est du chinois. C'est du chinois, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez, quand vous lancez une partie sur le PTS, actuellement, vous aviez donc la ranked avec les cartes 7 au rang 4, et vous aviez le nouveau système de cartes en onslaught, donc en assaut, et en siège. Et bien, ce n'est plus le cas. Maintenant, vous avez deux Q différentes, donc au lieu d'avoir trois files, une file d'assaut, une file de siège et une file de ranked, maintenant vous avez une file d'assaut et une file de siège avec l'unbound mode, donc les cartes, voilà, donc ça c'est cette partie là. Donc les cartes sont du level 1 à 10, ça vous donne full reward, inclus les champions de chess for first win of the day, up de 5 par jour. La queue, elle inclut donc l'unbound siège et l'unbound unslot. Donc il n'y a plus il n'y a pas de système de ranked avec le système de 1 à 10, vous le savez. Et ensuite, il rajoute donc une nouvelle queue. Avant, c'était que la ranked. Et bien maintenant, vous avez le siège unranked, le payload unranked. Ajouté. Donc, mais il n'y a pas l'assaut. C'est étonnant. Alors, est-ce que c'est un bug ou pas? Mais c'est vrai que c'est le payload et le siège unranked. C'est-à-dire que si vous voulez faire une map siège, vous vous entraînez pour la ranked et avoir toutes les cartes au rang 4, et bien vous pouvez faire ce mode-là. Car dans ce mode-là, en normal, toutes les cartes sont au niveau 4 et peuvent pas être plus haut. Donc en gros, vous allez tout simplement vous entraîner en casu. Vous allez pouvoir de nouveau vous entraîner en casu. Donc c'est plutôt intéressant, c'est dans la bonne voie, c'est un changement qui est positif. Donc on le mentionne. Donc c'est forcément très intéressant. Donc merci à RS pour ça. Donc j'espère que ça restera en l'état. Faudrait peut-être mettre une queue pour le unslot. Même si c'est vrai que le unslot en mode unbound, bon. C'est vrai que c'est quand même un bon endroit pour s'entraîner. Ça pourrait être intéressant qu'ils mettent en queue ici également l'assaut. Peut-être qu'ils sont ratés, peut-être que le payload il ne le comptait pas. Voilà, voilà. Pour ces changements de cet upgrade 6. Donc ça va vers la bonne voie. On nerf certains items, certaines cartes qui étaient beaucoup trop fortes. Mais a priori, on ne reviendra pas en arrière. Hein, c'est-à-dire qu'on ne remettra pas 12 points. On restera sur ces cartes de système où on a 25 points en. En unbound, on a 40, on a 20 points en mode normal, en ranked on a 20 points également, donc les persos vont quand même prendre cher, hein. ça n'a pas changé, il va falloir, pour moi il faudrait qu'ils rework toutes les cartes comme je vous ai dit avec Zin. Ah, la musique de Mive va vous casser les oreilles, mais c'est pas grave, désolé. J'allais dire quoi? Oui, toutes les cartes qui étaient basées sur un pourcentage, donc les cartes qui font que vous récupérez par exemple le volume de fumée si vous faites un kill avec, avec la carte, Fun of Flame je crois que ça s'appelle, et bah bien évidemment maintenant avec 4 points, bah, avec 10 points, donc vous avez le 100%, mais avec 4 points vous aurez 50%, donc forcément c'est des cartes qui bah, détruisent un peu le personnage, parce qu'on sait tous qu'on prenait tous cette carte là parce qu'elle était, on l'a maxé à 75% ou à 100%. Donc forcément, si on l'a qu'à 40 ou 50, c'est quand même un changement de gameplay plutôt drastique et cette carte devient beaucoup moins puissante qu'elle pouvait l'être avant. Donc forcément, ça, avec un système de 4 à 10, c'est obligatoire que ça fonctionne. Ils vont pas faire qu'au rang 4, c'est 100% et au rang 10, c'est 200%. Ça servira à rien, 200% sur un... voilà, on le récupère, quoi, point. Donc forcément, ils sont obligés d'équilibrer. Alors soit ils vont changer ces cartes, soit ils vont devoir... équilibrer le personnage différemment, mais ça va être à mon avis assez assez folklore et assez compliqué. Voilà, voilà pour cet upgrade 6, voilà pour ce petit gameplay. J'espère qu'il vous aura fait plaisir d'Androxus. On a quand même fait quelques kills et on n'a pas trop été dégueulasse, mais c'est clair que c'est un personnage qu'il faudrait que j'apprenne à maîtriser. C'est quand même un perso très playmaker, c'est un perso qui est jouable dans quasiment toutes les games. Et c'est un perso qui est très playmaker Androxus. Il est jouable tout le temps parce qu'en fait... on pourrait dire que Eevee est un peu du même genre, elle est jouable tout le temps, mais le problème de Eevee, c'est son projectile et qui fait qu'elle aura du mal à toucher par exemple un Drogoz en l'air, alors qu'on sait qu'Androxus, bon, Androxus face à Drogoz,
C'est un bon Androxus, va défoncer le Rogoz, il peut voler à côté, il peut essayer de le tuer. Ça va être serré comme duel, mais en gros, ça va jouer au skill. Alors que Eevee face à Drogoz, c'est quand même très difficile de toucher un Drogoz en l'air, donc tu vas être obligé de tuer tout le reste et garder le Drogoz, sauf que si le Drogoz fait autant mal que toi, voire plus mal que toi, t'as perdu quoi. Donc c'est vrai que Androxus est sans doute le meilleur flanqueur, playmaker du jeu. Même si Buck est très fort, Buck a très 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 haut elo, on arrête de le jouer, on le banne même plus. Donc c'est vrai qu'Androxus est plus polyvalent mais est beaucoup plus technique à jouer. Donc c'est vrai que ça peut être un personnage que je vous conseille de train, bien évidemment, il faudra du temps. C'est un perso qui a des mécaniques beaucoup plus... En fait, avec le nerf de ses mécaniques, il reste toujours fort, mais il est moins pété qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il avait une portée de dash qui était beaucoup plus élevée, etc. Maintenant, c'est plutôt, faut plutôt savoir bien viser avec Androxus qu'utiliser parfaitement ses mécaniques de vol, etc. Parce que ses mécaniques de dash sont beaucoup plus faibles qu'avant. Avant, c'était très technique parce que vous pouviez faire des trucs de ouf. C'est un peu comme Bomb King. Bomb King, il y a quand même une simplification de gameplay au moment où ils ont diminué le recul de la pave bombe avec la légendaire qui faisait que tu pouvais voler dans tous les sens. C'est une simplification de gameplay. Androxus, c'est plus simple à jouer qu'il y a 6 mois. Donc pourquoi pas, voilà. Pour tous ceux qui n'aiment pas le personnage, qui se disent ouais, ça fait 4 mois que je l'ai pas joué, j'ai préféré apprendre à jouer d'autres persos, revenez dessus, parce que il est jouable, il est jouable. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Après, moi j'ai réussi dans une game où c'était en moyenne des silver et des gold. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ça signifie que je pourrais faire de la ranked et un smurf et puis m'en sortir avec ce perso. D'ailleurs, un smurf, je vais peut-être en faire un pour m'entraîner en fait, tout simplement. Je vais peut-être faire un smurf pour pouvoir m'entraîner sur les persos que je joue jamais. En gros, avoir un compte principal où je joue mon Shaline, Eevee, Fernando, Makoa, Torval, Maldamba, Ceris, Ying et Genos et Grover. Et Grok, voilà, on va dire ça, c'est et Buck, c'est des gameplays que je peux jouer sur mon compte principal en ranked. Là, j'ai cité quasiment tous les persos que je pourrais jouer en ranked. C'est vrai que je sors en ce moment pas mal de Grover, etc. Parce que j'adore Grover, en fait. Grover, je l'aime beaucoup, je le trouve plus autant playmaker que Shaline, sauf qu'il n'a pas le défaut de Shaline d'être hyper, d'avoir les PV de Shaline et que Shaline n'est pas un perso indépendant puisqu'il dépend des soins de ses alliés, alors que Grover peut se soigner lui-même. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Grover. C'est parce qu'il est plus indépendant et je cherche de l'indépendance en Q parce que actuellement j'ai toujours, même si je suis diamant 4, diamant 5, j'ai toujours pas suffisamment de heal sur moi. On veille pas assez sur moi alors que Grover bah, il veille sur les autres et en plus, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup plus Grover actuellement. Et je joue très souvent dès que c'est une map, un long range comme Ciri, Donjon de Pierre, Plage de Serpent, etc. Je vais plutôt jouer ça et puis sur Jaguarfall. Et je vais plutôt jouer Shaline, enfin ça va dépendre quoi. Ça va dépendre de l'équipe adverse et ça va dépendre de mon équipe. Voilà, donc petit changement sur l'upgrade 6. Bah, dites-moi en commentaire si ça va vous faire rester sur le jeu, etc. etc. Moi de toute façon, je continue Paladin. J'ai hâte de qu'il y ait les Worlds. Je rappelle qu'il y a les championnats du monde du 3 au 7 janvier prochain sur la IKER TV. Donc n'hésitez pas à passer. Il y aura, je ne serai pas tout seul pour caster. Il y aura des surprises. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. C'est juste après le premier de l'an. Donc on a le temps de digérer le premier de l'an. C'est le 3, ça commence le 3. Donc on fait la fête le 31, le premier. Et on revient chaud comme de la braise le 3 pour commenter à peu près. Entre 5 à 8 heures par jour, donc ça va être violent de mercredi à dimanche, donc ça va être plutôt violent. Et sachez que je commenterai également la finale de Smite pour ceux qui ont l'habitude que je commente les Worlds de Smite, puisque ça fera la quatrième année, sauf que cette fois-ci on ne commentera pas en intégralité, on commentera juste la finale en BO5 qui a lieu en fait juste après la finale Paladin, le dimanche, le dernier jour. Le best of 7 du dernier jour, il y a le BO5 de la finale qui commence vers midi chez nous, je crois. Non, peut-être 16h chez nous, un truc comme ça. Et midi chez eux, ou un truc comme ça, je sais plus. Et ensuite, vous avez la finale Smite en BO5 également. Allez, ciao!